Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Avant de coudre le maillot aquamarine, nous allons assembler les pages du patron multitaille. Donc j'ai imprimé les pages 57 à 65 de mon patron. Et donc voilà, vous voyez que le patron est dessiné dans un cadre gris. Donc et chaque bord qui a besoin d'être reconstitué a un code. Donc je vais rechercher le code correspondant à celui-là, donc le A1. Le voilà. Donc je coupe la bande blanche au-dessus du cadre. Voilà. Et je l'assemble comme ceci à l'autre page. Donc je scotche les deux pages ensemble. Voilà, donc je fais bien attention à bien mettre mes deux pages sans qu'elles glissent. Et je vais faire ça pour toutes les autres feuilles. Donc là, le B1 ici, je découpe et je scotche. Voilà, mon patron est assemblé. Donc ensuite, soit vous décalquez comme vous avez l'habitude de le faire, ou alors vous pouvez aussi directement découper le papier. Nous allons découper toutes les pièces du patron, donc soit avec de très bons ciseaux, ou alors avec un cutter rotatif. Ensuite, on n'oublie pas de marquer tous les repères à la craie sur le tissu, donc tous les repères des élastiques, d'un côté et de l'autre. Pour coudre ce tissu, il faudra absolument des aiguilles stretch, parce que sinon des points vont sauter et vous aurez vraiment beaucoup de mal à coudre votre maillot. Ensuite, au niveau des élastiques, il existe plusieurs sortes d'élastiques. L'élastique tissé qui lui est souple et garde son épaisseur lorsqu'on l'étire, c'est celui-là que je vous recommande. Et il y a l'élastique tricoté qui lui, quand il s'étire, il rétrécit. Donc celui-là sera beaucoup plus difficile à coudre. Et voilà, tout est prêt pour coudre notre maillot aquamarine. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. À bientôt !